À Saint-Dié-des-Vosges, on a aussi repris le chemin des classes avec des effectifs stables, 1500 élèves environ pour la cité des Audaciennes et ses 12 établissements primaires. Ici à l'école Gaston Colnat, ils étaient nombreux ce jeudi matin, parents et enfants, à attendre l'ouverture des portes de la maternelle. Comment ça s'est passé le réveil ce matin? C'était pas trop tôt? Ah non, elles étaient en forme, elles étaient réveillées à 6h30. Ouais, j'ai entendu les petits pas, tout le monde était réveillé, très excité. Je crois qu'elles ont dormi ensemble, les deux filles. Voilà, donc tout le monde attendait avec impatience. Qui est la plus stressée? C'est vous ou c'est votre fille? Moi, je pense. Pourquoi? C'est la séparation. Pourquoi tu aimes l'école? Parce que je fais des créations. Dans le couloir, ça se bouscule un peu et pour les maîtresses, c'est l'effervescence. Il faut rassurer les petits mais aussi les grands. Car certains parents s'attardent, quelques pleurs du côté des enfants qui seront rapidement consolés dans cette classe petite et moyenne section. Vous jonglez entre le couloir où il y a les parents et les enfants. Consoler les enfants qui pleurent, rassurer ceux qui sont inquiets et puis rassurer les parents parce que c'est important aussi qu'ils nous fassent confiance et qu'on réponde à leurs questions. Le jour de rentrée, tout se bouscule en même temps? Oui, c'est un peu ça. On a le plus grand qui rentre aussi. Donc voilà. Puis le premier jour, pour les petits en maternelle, c'est toujours un petit peu l'émotion. C'est sa première année. Bon, ça va être un peu difficile pour elle. Alors la semaine, il y aura une adaptation à faire, mais bon, ça devra aller. Il était au taquet, donc tout va bien pour l'instant. On verra quand on sera avec tous les enfants, mais pour l'instant, il est bien. Il est positif. Qu'elle se fasse plein de copines et voilà quoi, c'est sa première fois. Et vous êtes stressée plus qu'elle ou... Non, ça va, là, je la vois contente, alors ça va. La directrice fait le tour de l'école pour s'assurer que tout s'est bien passé. Au premier étage, ambiance déjà studieuse pour les élèves en élémentaire dans cette classe de CM2. C'était un peu dur de se lever, mais sinon ça allait. Tu aimes bien l'école, pourquoi toi? Pour voir les copains et j'aime bien les mathématiques. La particularité et la grande nouveauté pour cet établissement des Audaciens se joue également à l'extérieur, où des travaux ont été engagés pour végétaliser la cour dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est la deuxième école qu'on a faite. D'ailleurs, si vous regardez derrière moi, c'est pas fini. Les végétations seront plantées donc aux vacances de la Toussaint. On a quand même tout enlevé. Tout est perméable. Hein. Au sol, c'est réellement l'idéal pour les enfants. C'est un sol souple. Il va y avoir des jeux à l'intérieur. On fait même un petit amphithéâtre extérieur s'il fait trop chaud, que les classes puissent être à l'ombre pour faire des cours en extérieur. Vous voyez, tout était pensé de manière à préparer éventuellement des années encore plus chaudes que ce qu'on a eu cette année. La végétalisation a un coût, 300 000 euros investis pour cette école. Ce projet débuté l'an passé a déjà vu une première cour en bénéficier, celle de l'école Baldensberger, qui a pris des couleurs, de la verdure qui vise à réduire l'impact de la chaleur et qui, au vu des derniers mois, rend ce projet municipal plus que jamais d'actualité.